Hey les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la patate. Car je viens de découvrir que le mode contest, on pouvait télécharger les modes du mode contest. Et franchement, c'est vraiment une grosse tuerie. Déjà, tout de suite, on vous a pu voir avec la cinématique avant. Déjà, la Govel, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas si ça a vraiment un nom comme outil, quoi. Mais franchement, c'est vraiment énorme. Alors, pour ceux qui savent pas s'en servir, je vais vous expliquer. D'abord, faut avoir un tracteur à l'avant. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Donc ensuite ici, donc j'ai tout refaire en condition comme si ça arrive bien sûr. Donc on va hop, donc je vais mettre les indications pour vous montrer, ce sera plus pratique. Donc on va hop, on est dans le tracteur. On allume le tracteur. Déjà là, ce que vous pouvez faire c'est ah ouais, donc déjà je vais vous parler du tracteur quand même un minimum parce que Fendt, voilà, c'est la vie. Hein. Surtout ce Fendt là. Il est vraiment magnifique. Il est magnifique parce que tout d'abord, bah, regardez, on peut échanger de poste et pour cet outil-là, franchement, c'est impeccable. Hein, comme ça, on a une vue sur tout l'outil à l'arrière, c'est vraiment excellent. Hop. Donc là, je vais me retourner. Hop, vous voyez, donc déjà, hop, il se lève. Je tourne à l'arrière. Voilà. Donc ensuite, écoutez les bruits. Je ne dis plus rien, je vais fermer les portes. Écoutez-moi ça. Ah, vous avez entendu le bruit des vérins. Écoutez. Et le bruit de la porte qui claque, mais franchement, c'est vraiment énorme. Alors, il y a lycée, donc on peut ouvrir plein de choses. Hein. Bon, les portes, quoi, on peut pas vraiment interagir, mais franchement, c'est déjà vraiment énorme. Déjà, l'intérieur est franchement propre. Regardez, il est magnifique. L'intérieur. Bon, l'extérieur, il est un peu moins beau, je trouve. Il n'y a rien de spécial à l'extérieur, hein. À part là-haut, la petite animation du clapet. Il n'y a pas grand chose. Quand on bouge avec, il est vraiment réaliste. Je veux dire, dans les secousses et tout. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a encore sur ce tracteur? Sur ce magnifique tracteur, bon, bah, il y a lycée. Voilà, bon, en fait, on peut se retourner, mais déjà, c'est déjà énorme. On peut le configurer. Regardez, je vais vous montrer dans le shop à quoi il ressemble. Alors, dans le shop. Hop, alors. Attendez, attendez, 2 secondes. Ouais, voilà. Donc, là, c'est les 800 favoris. Donc déjà, il vaut 75 400. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. La configuration standard. Masse d'équilibrage. Pneu large. Donc ça doit être... rare, oui, dual. Peut-être du rouge jumelé. Ou ouais, bah non, parce que... Bon, enfin bref, je sais pas, j'ai pas testé. Donc ça, c'est le normal, le black part. Vous pouvez mettre en chromé. En version forêt. Ensuite, vous pouvez mettre un chargeur ou pas. Bon, ça, j'ai pas mis. Donc, ça, c'est le système d'attelage. Donc, voilà, front attacheur. Vous... Ensuite, regardez, il y a 816, 818, 822, 824. Donc, ça fait quand même 4 trucs si je me trompe pas. Donc, ça va de 165 chevaux jusqu'à 240. Donc, voilà, il y a vraiment un large choix. Si vous voulez faire un tracteur pas trop gros ou un tracteur vraiment gros. Y a de quoi faire. Donc ensuite, vous laissez allumer votre tracteur. Pour ce qui est du Govel, je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez là. Donc normalement c'est fermé. Attendez, je vais fermer tout ça. Hop. Donc, normalement vous allez la voir. Attendez. Je me mets bien. Pourquoi il veut pas. Ah oui, d'accord. Attendez 2 secondes. Ouais, je veux pas maintenant. Ah là là. C'est assez compliqué, hein. Je le prends juste en main maintenant. Donc voilà, c'est compliqué pour moi comme pour vous. Je sais pas pourquoi il veut pas s'ouvrir maintenant. Alors pourquoi? C'est pas pour ça. Hein. One eternity later. Bon les amis, alors bon, j'ai tout simplement pas réussi à l'ouvrir encore une fois, hein, mais bon. Je l'ai acheté au garage, donc on ira voir au garage après. Hein, François, garage. Mais en tout cas, je vais vous montrer quand même quelque chose. Comment faire les ballots? D'abord, faut prendre de l'herbe en vrac. Hop, vous prenez. On charge bien. Hop, voilà. Comme ceci. Ensuite, vous laissez vider. Légèrement. Pour l'instant. Oublié, il faut faire tourner.
Voilà, vous faites tourner. Donc, bon, déjà un truc. J'ai pas compris à quoi ça sert là, les jeux en haut. Enfin bon, vous comprendrez peut-être mieux que moi. Vous savez comment ça marche en vrai. Donc voilà, vous videz votre herbe. Ensuite, celle-ci monte par le tapis. Voilà, donc il y a un tige dessus. Et vous voyez, la balle se forme. Et on la voit vraiment grandir. Franchement, ça c'est vraiment énorme. Vous voyez, tout est animé. Franchement, vraiment tout. À l'intérieur, on voit les trucs qui sont animés. Vous avez pu voir dans l'animation. Hein. Voilà, donc là, hop, elle est en train de se faire la balle. Donc, voilà, donc ça presse normal, quoi. Ensuite, c'est arrivé sur un petit chariot. Et hop, c'est en ruban. Et en plus, la texture de l'enrubanage, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Et même de la botte. Hein. Franchement, elle est magnifique. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à faire ça, quand même. Donc on peut même... ouvrir ou pas l'échelle, là. La fermer ou pas. Donc vous voyez, et voilà, vous avez votre balle. Vous voyez même... On peut même donner un coup de couteau en dedans pour Donc vous voyez en silage, hein, combien ça coûte et tout, combien de litres il y a dedans, combien de kilos. Et vous pouvez même ouvrir la balle avec un cutter. Et voilà ce que ça vous donne. Et franchement, si ça c'est pas beau, que demande le peuple, hein, franchement, je sais pas, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Hop, on va le faire avec l'autre juste pour le kiff. Et vous voyez, vous l'entendez le bruit derrière et tout. Et vraiment, celui qui a, le modeur qui a fait ça... Il a dû vraiment, vraiment, vraiment douiller pour faire ça. Hein. Il a dû passer du temps. J'espère vraiment pour lui qu'il va gagner le mode contest parce que vraiment, c'est vraiment magnifique. Ensuite, regardez même les flexibles de l'hydraulique, la prise de force qui tourne et tout. Franchement, je sais pas, mais... C'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Je la reconnais, toujours dire, hein, c'est magnifique, mais franchement... Je le fais pas que pour la vidéo, je pense vraiment. Parce que... On voit toutes les fonctionnalités qu'on peut faire avec. Le mec, il y a... Pour... Déjà, rien que les scripts et tout, pour pouvoir... Je sais pas si c'est un script. Pouvoir ouvrir la balle et tout, mais c'est vraiment magnifique. Je sais pas, mais... Pour moi, je dis que ça révolutionne farming. Bon, bien sûr, je mets pas à côté comme un mongol. Ouais, bien, tout simplement, parce que... Je l'ai pas mis en routine. Pas si... Enfin bref, donc voilà, ça c'est. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que d'autres choses à voir, d'autres magnifiques choses à voir. Ça c'est magnifique quand même. Vraiment. Là on peut prendre avec ça. Donc voilà maintenant le PUV. PUV de la chaîne simulateur. Je sais plus comment c'est déjà. Je suis abonné et j'ai oublié le nom. Bref, ils font vraiment que des super beaux modes. Genre vraiment. Dedans il y a pipi et tout je pense. Comme odeur. Alors il n'y a rien de spécial à part qu'il est magnifique de l'extérieur, regardez. Il a vraiment... Mais regarde... L'extérieur est super magnifique, là, cet effet de rouille et tout. Je l'ai pas chargé donc... Voilà. Et ensuite, là, vous appuyez sur V, ça se met bien. Alors vous pouvez configurer, il y a juste un truc qu'on peut configurer, c'est roofing ou pas. Et franchement même le son il est magnifique. À l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Bon, à l'intérieur, il n'est pas non plus ouf. Mais vraiment, c'est... Ils ont vraiment travaillé hein, pour ce mode contest. Ils ont vraiment, vraiment sorti des bons modes. Bon, bref, après, voilà. On va essayer. Là, je vais prendre ça. Je vais vous montrer quand même un peu vite fait, quoi, parce que ce serait dommage que... Pas voir. Donc, quand vous l'achetez, c'est comme ça. Je n'ai pas la réussite sur la puissance sur laquelle ils avaient des cœurs. Déjà, vous appuyez sur X. Sur la touche X du tracteur. Vous mettez comme ça, hop. Petite précision pour le tracteur, il faut avoir... C'est obligé d'avoir les indications pour pouvoir ouvrir. Hop, donc vous descendez. Et là, voilà. N, capot ouvert. Vous appuyez sur N. Hop, vous avez entendu les bruits de verre encore une fois. Magnifique. Normalement, vous avez les trucs de balles, là. Je dois la fermer, je suis bête. Voilà. Ensuite, vous êtes là. Vous pouvez faire... Vous appuyez sur X. Hop, c'est la plateforme de... Pour l'enrubanage qui se déplie.
Je sais pas si vous êtes entendu, mais quand ça se déplie, le tracteur il augmente. On entend le bruit, pas pareil avec l'hydraulique. Ensuite, W. W, c'est les trépieds là en bas qui bougent. Ensuite, vous appuyez sur. Qu'est-ce qu'il reste encore? B. Et c'est derrière le bac qui se déplie. Attendez, derrière le tracteur qui augmente en puissance. Hop, et il redescend dans la région. Donc voilà. Et là, ensuite, vous n'avez plus qu'à charger. Vous appuyez sur B et hop, ça se fait tout seul. Donc là, c'est pareil, hein. Et, capot ouvert. Si vous voulez. Il me semble qu'on peut ouvrir la. Voilà. Sur X et vous avez l'échelle. Bien sûr, avec les bruits pour l'animation. Donc ça, oui. Donc ça, je vais vous montrer. C'est pour un combiné de semoirs. Je vais vous montrer juste après. Et en fait, ça permet de relier. Hop. Donc on va shifter une dent. Voilà. C'est pas magnifique. Ça vous permet de relier de là au semoir. Donc de la réserve au semoir. Ensuite, vous dépliez. Vous appuyez sur X. Franchement, déjà, rien que la 3D, elle est carrément magnifique. Regardez-moi ça. Les tubes et tout me. Oh là 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 là, c'est magnifique. Donc tout se déplie. Nickel. Comme ça, voilà. Là c'est pareil, j'ai pas rempli, mais juste pour vous montrer. Mais franchement, les tubes, regardez ça. Je sais pas, moi je trouve ça vraiment magnifique. Hop. Donc là, normalement, vous avez les tuyaux pour la soufflerie. Parce que je les ai pas pris là avec. Et ensuite, il y avait un autre truc qui vous est fourni avec. Allez. C'est ça, c'est ce petit watcher que vous pouvez prendre. Je sais pas trop où le mettre en fait, donc du coup je l'ai calé ici. Hop, si j'arrive à le prendre. Enfin bref, c'est un petit boîtier qu'on peut prendre, hein. Voilà, c'est un objet. Et avec, regardez, vous pouvez régler l'écartement entre les micro-sélecteurs, enfin si vous pouvez sélectionner les graines grâce à ça, enfin bref, c'est votre boîtier qui sert à tout. Donc normalement c'est pour mettre dans le tracteur, mais enfin. Là c'est comme ça. Mais franchement, c'est vraiment un ensemble magnifique. Hein. Combiné, nickel. Vous pouvez mettre les traceurs, bien sûr, bien entendu. Pour mettre les autres. Voilà, du coup, je peux pas. Pas forcément avec les animations. C'est étonnant qu'ils y seraient pas. Mais ouais, franchement, après, vous pouvez déplier la bâche. Enfin, vous voyez, là, c'est tous les petits trucs et tout. Hop, à l'avant, là. Oh, mais c'est fou. Vous êtes saoulant à dire oh, c'est beau, c'est magnifique. Mais vraiment, ça vaut le coup, je pense. Les modeurs se sont vraiment cassés le cul. Parce que. C'est vraiment magnifique, franchement. J'ai rien à dire là-dessus. Tout est propre, tout est nickel. Aucun bug sur tous les modes que je vous ai montrés. Franchement, c'est vraiment nickel. Vraiment du bon boulot qu'ils ont fait là. Donc là-dessus les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous souhaite à la prochaine. Allez, ciao ciao les amis.